On est en live. Est-ce qu'on est en live? Normalement, ça devrait être bon. Je vérifie sur le flux si c'est bon. Ah, ça me paraît cool. Ok. Hop là. Salut à tous. J'espère que vous allez bien. On est parti pour une session de 1 heure. J'avais du renforcement à faire, donc je vais le faire en live. Vous pouvez refaire la séance, on peut la faire ensemble comme vous voulez. Tout le monde est le bienvenu. Ah, tac, je pose ça là. Comme ça, j'ai le chat en bas quand je vais en bas. Bon, j'espère que vous êtes chaud. Je vais écouter juste s'il y a du bruit dehors ou pas. Ça va. Ok. Je vais mettre un peu de musique aussi. Hop là. Voilà, normalement tout est bon. On va pouvoir démarrer. On va s'échauffer tranquillement. Bon, du coup, vous voyez la séance qui est en haut à gauche. On a 5 tours à faire. Les 5 tours qui sont enchaînés. 30 secondes par exercice. Donc, on démarre avec la montée sur pointe. On démarre en de la chaise. Impulsion. Derrière, du gainage actif. Ensuite, des squats. Puis derrière, des abdominaux. Jambes tendues. Derrière, on passe sur des exercices ischio. Et on termine encore une fois avec des abdominaux. Mais cette fois-ci, on va travailler non pas les transverses, mais les obliques. Ok, un petit peu de montée de genoux rapidement pour se dynamiser un peu. Souffle, je vais prendre une bouteille d'eau, j'arrive. Ne pas oublier de prendre de l'eau pour travailler, c'est très important. Bon, on va partir du coup sur des répétitions donc du 30-30. Donc on démarre le premier exercice, moi ma chaise est sur le côté là-bas. Tac. Voilà. Je vous ai mis la caméra pour que vous puissiez voir correctement. Donc ici j'ai la chaise pour faire les exercices. Je vais vous montrer chacun les exercices, comme ça sera fait. Donc le premier, on descend sur un pied, on atteint la chaise, on repart et on finit pointe. Toujours le pied armé, on descend, on remonte pointe. Même chose pour la gauche forcément.
Ensuite, le deuxième exercice, c'est du gainage actif. Donc on descend, on remonte. Si vous avez un mur en face de vous, vous pouvez aussi mettre les mains devant et alterner. Moi, pour éviter de faire tomber les rideaux, je ne vais pas le faire. Ensuite, au niveau des squats, vous mettez en position squat normale. On descend. Et on va chercher sur le côté. Toujours avec le pied armé, on descend. On va chercher sur le côté. Donc ça veut dire qu'on impulse. Et là, on a le fessier qui va travailler pour la stabilisation de la hanche. Prochain exercice, ce sera au niveau des abdominaux. On part, on monte, on fait un tisser, on remonte, on descend, on fait un tisser, ainsi de suite. Ensuite, les ischios. Bon, les ischios, vous les avez vus dans beaucoup de nos vidéos. On va chercher derrière, on remonte, toujours le pied armé. Moi, je me suis muni de quelques poids de cheville pour faire cet exercice-là. Ensuite, dernier exercice. On a les jambes tendues. Et on va chercher. Voilà. Comme ça, vous avez tous les exos à faire. En tout, ça en fait 2, 4, 5, 7, 8. On a 8 exos. 30 secondes, 30 secondes. Donc 8 minutes par tour. C'est-à-dire, on a 5 tours à faire dans 40 minutes. C'est terminé. Allez. On va partir. Je lance le chrono de 30-30. Vous pouvez nous rejoindre en cours de séance, il n'y a pas de souci. Vous pouvez faire que 2 tours, 3 tours, 4 tours. Si vous avez les 5 dans les jambes, vous pouvez faire les 5. Ça, c'est comme vous voulez. Alors, on est parti. C'est parti. 4. 3, 2, 1, et c'est parti. Allez, faut bien respirer. Pause, 30 secondes de pause. Derrière, on passe à la jambe gauche. Il faut bien stabiliser la chaise quand vous allez le faire. Allez, on a la moitié de la pause. On pense à bien s'oxygéner. 5 secondes avant qu'on repart. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Attention de ne pas tout dès le début. La séance est longue. On contrôle le mouvement. Sur le gainage. Cet exercice n'est pas simple. Hein. Alors moi, ma chaise est un peu molle, du coup, quand je m'assois, je tombe un peu dedans, mais pour arriver à remonter assez rapidement quand même. Alors, on passe au gainage maintenant. 5 secondes. 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Allez, le but c'est que de garder les abdominaux bien serrés. Pas trop remonter le bassin. Ok. Pause, on passe au squat. N'oubliez pas de boire un petit peu. Micro-hydratation. Allez,
Allez, on repart. Les squats, donc on descend et on remonte sur un côté. C'est parti. Allez. On souffle bien sur l'exercice. Et on contrôle toujours. C'est le fessier de la jambe d'appui qui se contracte. Ok. Sur cet exercice-là, vraiment, quand vous remontez, vous sentez le fessier de la jambe d'appui qui se contracte. Ici, on appelle ça les muscles du pelvis. C'est les muscles, en gros, qui vont vous servir à la course quand on va avancer. Je vais faire comme ça. Ici, mon muscle, c'est lui qui va faire pousser ma jambe. Sur l'envoi, c'est lui qui va faire pousser ma jambe. Les fessiers. Ok, on passe aux abdominaux maintenant. Allez, c'est parti. Ok. Le but n'est pas de faire vite, mais de contrôler le mouvement pour que ça travaille un maximum. Ok, derrière, on passe sur les ischio-jambiers, l'un des muscles les plus importants dans la course, parce que c'est le plus vulnérable. Allez, on enchaîne, jambe gauche-droite, c'est parti. Là, comme vous voyez, mon bassin ne bouge pas, ma hanche est fixée, il n'y a que mon pied et ma jambe qui accède vers l'arrière. Donc ça, c'est vraiment le plus important et c'est comme ça que vous allez sentir votre ischio travailler. C'est pas ma hanche qui se décale, non, c'est juste mon ischio qui pousse la suspension. Ok, 30 secondes de pause, on passe à l'autre jambe. Je décide à passer ça le moment où je fais mon sport, forcément. Ok. Allez, 15 secondes, on passe à l'autre jambe. 10 secondes. On souffle bien, on respire. On détend un peu et c'est parti. Allez, 2, 1, c'est parti. Allez. On a 30 secondes comme ça. Derrière, il nous reste un exercice d'abdominaux. Et on a fait notre premier bloc. Allez, toujours le bassin qui bouge pas. On a le dos qui est sensiblement droit. On ne le creuse pas et on l'arrondit pas trop. Ok, pause. Derrière, on va passer au travail des transverses. Surtout, n'hésitez pas à vous joindre à la séance ou à participer dans le chat. Et pour tous les gens qui voient cette vidéo sur YouTube, Fulminero TV, n'oubliez pas que je suis en direct sur Twitch. Allez, on est parti pour le prochain exercice. Ok, on respire, on va repasser aux exercices de jambes tranquillement. N'oubliez pas de boire un peu. Ok, c'est bon, je peux rouvrir la fenêtre. N'oubliez pas de boire un peu. Et on repart dans 6 secondes.
Je vous rappelle que cette séance se fait d'affilée, il n'y a pas de pause entre les blocs. Allez, c'est parti. Alors, souffle bien. Ok, 30 secondes de pause. 30 secondes de pause et après on est reparti. Hop là. Allez, il est 9h30. 9h30, on est déjà au max. Allez, 6 secondes, on repart. 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Ok. Petite pause encore, on passe sur le gainage actif. Allez. Allez, le but surtout, c'est vraiment d'arriver à trouver du relâchement dans l'exercice pour ne pas les subir. 3 secondes, 2, 1, allez, on est parti. Allez, surtout on souffle bien. Ok. Alors on prend respiration et derrière on passe au squat. Allez. Alors on est parti, 30 secondes de squat. Ok, pause 30 secondes.
Allez, c'est parti pour les ischios. Ok, super. On relâche. On peut enlever les poids si vous en avez mis et on passe aux abdominaux pour les transverses. Alors, essayez de se relâcher un maximum. 10 secondes encore. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Ok, fin du deuxième tour, on boit un petit peu et on se prépare à repartir pour l'exercice de foulée. Allez, c'est parti. Ok, 30 secondes. Allez, 10 secondes, on repart. C'est parti. Ok, 30 secondes de pause, on passe aux abdominaux. On passe au gainage. Allez, on souffle bien. Là, on va arriver à la moitié de la séance. Allez, 10 secondes. 10
10 secondes, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Allez, on souffle, on se prépare. Allez, 7 secondes, 6, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, on sent bien les muscles du pelvis qui vont travailler. N'oubliez pas de bien souffler. Ok. On peut boire un petit coup. Allez, on se prépare pour faire les abdominaux 10 secondes. On est à la moitié de la séance là. Allez, 3, 2, 1, allez, c'est parti. Ok. 30 secondes. 30 secondes, on passe aux ischio. Allez, 10 secondes. 4, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, on sent qu'est-ce que travaille là. Mais de les faire correctement, donc il faut bien décortiquer le mouvement.
Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, on souffle bien. On n'hésite pas à boire. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. On est parti. Ok, pause 30 secondes, on passe à l'autre jambe. Alors on souffle bien, on se détend. Allez, 5, 4. Ok. On relâche, on prépare, gainage. Allez, on est dans l'avant-dernier tour. Allez, 5 secondes, on repart. 4, 3, 2, 1, et c'est parti. Ok, pause. On va enchaîner. On va enchaîner sur les abdos. Allez, 10 secondes.
Allez, c'est parti. Ok. Allez. Ischio. Ischio oblique. Et après, il ne nous restera plus qu'un seul tour à effectuer. Allez, 5 secondes. 2. Hop. Et c'est parti. Allez, bien là, bien orienté toujours. Retrait ischio. C'est une séance d'athlète, ça. Vraiment là, on travaille tout. De la chaîne inférieure à la chaîne supérieure. Rien n'est laissé au hasard. Ok, on repose, 30 secondes, on passe à la jambe droite. Allez, on a fait vraiment du très très bon boulot, on est pratiquement arrivé à la fin. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Allez, l'ischio doit vraiment bien bosser là. Allez, 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 je vous vois là. On relâche pas, on lâche pas. Ok, on relâche. On va passer aux abdominaux. Et après, il ne nous restera plus qu'un seul enchaînement à faire. Allez, 10 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, c'est parti. Alors, pas tout de suite, mais d'ici 1h30, 2h, on va penser à étirer vos psoas après la séance.
Et les abdominaux aussi. Allez, 4 secondes, on repart. Jambe gauche maintenant. Allez, c'est parti. Ok. Allez, on se repose tranquillement. On va passer au gainage. On va passer au gainage actif. Il ne nous reste plus beaucoup à faire. Allez, c'est pas maintenant qu'il faut craquer. Que vous soyez sur YouTube ou en direct, il faut tenir jusqu'au bout. On y est presque. Allez, c'est parti. Gainage actif. Allez. Allez, encore 5 secondes. 4, 3, 2, 1. Ok. Super. 30 secondes de pause, on passe au squat. Allez, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, toujours le pied armé, le pelvis, les muscles du pelvis qui travaillent. Sur l'envoi sur le côté, toujours dans la maîtrise du geste. Allez, 2, 1, ok. On souffle bien. Il reste encore 4 exercices à faire. On se met au sol tranquillement. Allez, on est prêt. Dans 15 secondes, on enchaîne. Allez. 5, 4, 3, 2. Ah, on est parti. Ok. Ouh. Allez, ischio, abdos. Et c'est terminé. Allez, 5 secondes, 4, 3, 2, 1, c'est parti. Allez, on tient pour la fin. C'est pas l'exercice le plus dur, mais il est technique. Allez, on garde cet angle droit avec sa jambe. Ok, 30 secondes, on passe à l'autre. On aura bien bossé ce matin. Allez, 15 secondes, on repart. 12, 11. Ok.
Exactement. Deux. Un. C'est parti. On est déjà à 45 minutes de travail. En comptant l'échauffement, bien sûr. Secondes, on passe sur le dernier exercice. Allez, 10 secondes, les 30 dernières secondes de souffrance. Allez, 3. Séance terminée. Bon, merci du coup à tous ceux qui ont suivi le live et tous ceux qui sont sur YouTube. Vous avez bien bossé. Vous avez très bien travaillé. Du coup, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes maître de votre corps. C'est vous les meilleurs. Allez, ciao.